garde ses derniers instants, était en 11e position et qui est perdu de partie en tête à queue. Ander Villarino va devoir passer par essence pour un drive through et à notre avis il est obligé de le faire avant la 20e minute. En tout cas, il serait logique que ce soit lui. Voilà, match au penalty. Je pensais qu'il a lu Ander Villarino que le panneau était effectivement pour lui. Maintenant, oui, il passe en 2e position devant Romain Vieneta. À la 4e place à réussir alors que Louis descend en ce moment dans le classement. Olivier Perneau qui est en 13e position, passage au niveau des pilotes qui sont régulièrement présents dans l'intercontinental de Manque, en signant la présence de Pierre Rag, le pilote normand. Pierre Rag, on retrouve en ce moment à la 13e place du classement. Alors un classement un peu difficile à lire. Ander Villarino, leader, va devoir passer par la redescente pour la pénalité drive-through qui lui a été infligée. Bon, ça c'est à suivre dans les prochaines minutes de la course, en tout cas dans les prochains instants. Wilbusna, deuxième, est le leader virtuel, puisque